4 mars 1849, dimanche soir, 10h30. Je pense à toi, mon bien-aimé, et je te désire de toutes mes forces, tout en sachant que tu ne pourras pas venir ce soir. Je te remercie de ta bonne petite apparition. Ce n'était pas assez pour me rendre heureuse, mais c'était suffisant pour m'empêcher d'être très malheureuse toute la soirée. Cela fait que j'ai pu jouir à mon aise et à tête reposée de la compagnie de l'aimable Céleste et de sa sœur. Si tu n'étais pas venue, il est plus que probable que j'aurais très mal pris toutes ces gracieusetés et toutes ces platitudes. Grâce te soit rendue de ne m'avoir pas fait perdre une si belle occasion de m'ennuyer avec résignation et avec courage. Merci, merci, ô mon grand représentant. Rien que pour cette belle action, je te donne ma voix en cœur et cœur aux prochaines élections. En attendant, il paraît que nous aurons une gobeloterie monstre très prochainement. J'ai prévenu Eugénie que tu comptais sur son génie inventif en cette occasion afin de susciter son émulation dans la composition de cette goinfrerie mirobolante. Quant à moi, je prête mon logis, mes assiettes et le reste à vous seulement. Mais je ne me mêle pas du menu. J'ai bien assez de vous aimer en très gros. Juliette.